zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida, zéro discrimination et que les personnes séropositives vivent longtemps et en bonne santé. Voici les objectifs fixés sur l'arc alpin à l'horizon 2030 où plus de 2600 personnes vivent avec le VIH. Comment y arriver? En fait, c'est en mutualisant tous les acteurs de terrain, que ce soit des médecins, des institutionnels, des associatifs, pour pouvoir vraiment aller rassembler le plus de personnes, qu'il y ait le plus de monde qui se fasse dépister, attirer un peu l'attention des pouvoirs publics pour qu'on ait vraiment les moyens de mettre fin à l'épidémie. Encore aujourd'hui, les idées reçues sont nombreuses. Embrasser ou boire dans le même verre qu'une personne séropositive n'est pas contaminant et les personnes homosexuelles ou usagères de drogue ne sont pas les plus touchées. 86% des transmissions se font par voie sexuelle. Désormais, il existe des traitements post-exposition qui permettent d'éliminer le virus tant qu'il est dans le sang. Avec les nouveaux traitements, il est possible pour une personne séropositive de ne plus être contaminante. On peut avoir une vie tout à fait normale, comme tout le monde. Avoir une vie professionnelle, avoir une vie de famille, faire des enfants, vraiment tout est, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas faire comme tout le monde. Pour prévenir une contamination, en plus des préservatifs, d'autres outils sont mis à disposition. Par exemple, la PrEP, qui désigne l'usage de médicaments dits antirétroviraux pour empêcher la contamination par le VIH chez des personnes séronégatives. À Grenoble, 926 personnes vivant avec le VIH sont prises en charge. La ville communique sur le sujet pour donner de la visibilité et accompagner la lutte. La ville de Grenoble en parle sur son magazine municipal, qu'on ouvre le marché de Noël aux associations. La tour Perret est illuminée depuis aujourd'hui et ce pendant 3 semaines avec le ruban rouge. Sur les bulles de la Bastille, il y a également des rubans rouges, donc il faut donner de la visibilité. Mais aussi un tramway circule en ville pour augmenter cette visibilité. Pour un premier enfant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais je pense que oui, ça peut être un gros plus pour se relaxer au moment des contractions. Oui. Un casque de réalité virtuelle pour mieux se préparer à l'accouchement. La technique est expérimentée à la clinique Natessia de Rieux. On a une thérapie digitale, on a traduit l'hypnose clinique dans la réalité virtuelle. Donc c'est une immersion à 360 degrés de vidéo et de audio. Donc en fait, c'est un voyage sous-marin où on est guidé par une thérapeute et l'effet, c'est l'hypnosédation. On a la voix d'une dame qui nous aide justement à se concentrer sur les mouvements de la respiration, etc. Ce qui fait que c'est très détendant et on arrive vraiment à se concentrer et à se détendre, voire presque à s'endormir. Cette forme d'auto-hypnose permet d'agir sur le stress ou les douleurs. Il y a des études qui ont été faites montrant qu'on utilisait moins d'antalgiques dans ce cas-là. Chaque fois, j'avais une baisse des paramètres, tout à fait. En fait, c'est une grille d'anxiété validée par des psychologues que j'ai utilisée. Et à chaque fois, j'avais une baisse avant-après. Le casque peut même aussi être utilisé pour calmer les futurs papas stressés. 3, 2, 1... À Oulin, en ce moment, on ne peut pas louper la maison d'Hervé. C'est le champion des illuminations de Noël. J'achète tout ce qui est guirlande à LED, tout ce qui est électrique, et puis tout le reste, c'est de la récup, de la confection. J'ai envie de dire, je veux sortir du produit de consommation de toutes les décos, et je fabrique avec des palettes beaucoup de sapins en bois, des cadres, une fausse cheminée. J'explique aux gens cette démarche. Et dans le quartier, les visiteurs ne manquent pas. C'est éclairé dans tous les sens, il y a de la recherche, c'est original, il y a de la récup, non, c'est magnifique, juste c'est Noël. Et puis tous les ans on se rend compte qu'ils rajoutent des illuminations, donc c'est toujours plus beau d'année en année. Et chaque année Hervé propose aux enfants de l'aider à fabriquer ses décorations. En fait quand je rentre de l'école, bah, je le vois et je lui demande si je peux faire la décoration et bah, il dit oui. Il y a un petit peu de moi dans la maison d'Hervé, ça fait plaisir. On a vraiment l'impression que c'est de la glace parce qu'il y a de la lumière dedans. Surtout c'est bien parce qu'il y a des carottes. Oui, on dirait Olaf. Des illuminations dans lesquelles Hervé investit chaque année 500 euros et il voit sans cesse plus grand.
Dès l'été, je commence à penser aux nouvelles décos que je vais fabriquer. Déjà, j'ai des idées pour l'année prochaine, des choses que je voudrais faire, mais qui sont des gros projets où il va falloir que je m'y mette très tôt dans l'année. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent faire un don lors de la visite. Hervé reverse l'argent à l'association Orchidée qui aide les enfants malades. Encore une friche à Rives de Gier, vestige d'un passé industriel. Ici, ce sont 15 000 mètres carrés qui se cherchent encore un devenir. Il y a 10 ans, l'entreprise allemande Ruhl y fabriquait des armatures métalliques pour le béton qui ont servi notamment sur le viaduc de Millau. Depuis, le site est laissé à l'abandon. Mais peu importe, à l'époque, le maire n'envisageait pas de la démolir. Et ça fait rien, je ne regrette pas quand même d'avoir demandé à ce qu'on conserve ce site, parce qu'il y a d'abord l'attachement sentimental, une vraie valeur patrimoniale. Et puis on peut se dire que dans les années qui viennent, des négociations avec les services de l'État pourront peut-être permettre de trouver un modus vivendi pour le réutiliser. Car pour l'instant, on ne peut rien en faire. Le bâtiment est classé en zone inondable. Le Couzon, affluent du Gier, coule juste sous nos pieds. Le maire ne désespère pas. Salle d'expression culturelle, un marché couvert ou même un centre régional, voire même national, de recherche sur la dépollution. Tout est imaginé. Rives de Gier aussi veut son Novacierie. Saint-Chamond a réussi à sortir son projet. On fera exactement la même chose à Rives de Gier. Et cette halle a de véritables valeurs patrimoniales, comme cette charpente en bois du début du XXe siècle, l'une des dernières sur la vallée industrielle du Gier. Pas question d'y toucher. Tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui va être détruit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est les quatre parties du site Couzon qui vont être détruites. Cette annexe de la halle Couzon à Rives de Gier va donc être démolie. Vous le voyez, toute cette partie sera donc démolie après avoir été désamiantée. Coût de l'opération, 600 000 euros, prise en charge par Saint-Étienne Métropole. 200 000 euros pour le désamiantage, 400 000 euros pour la démolition qui devrait débuter au mois de février et devrait durer quelques mois. Cette reconversion s'inscrit dans le cadre du projet de requalification de l'entrée est de Rives de Gier. Deux friches industrielles, la halle Couzon et le site d'Uralex. Coût du projet estimé à plus de 60 millions d'euros. C'est une petite révolution qui est en marche à Annemasse. De nombreux aménagements sont en cours de construction. Le premier à voir le jour est la maison de la mobilité et du tourisme. Mais c'est tout un quartier qui est en mutation. Nous sommes évidemment au cœur du pôle multimodal, au cœur de la gare. Les travaux sont là, la gare nouvelle est en train de se faire, un grand parking est en train de se construire à l'extérieur. Et il y a d'autres aménagements évidemment de l'espace public qui vont se faire. Et là, au milieu de cet aménagement public, il y a cette maison de la mobilité et du tourisme, dont l'objectif est de, tout simplement de faire qu'on accompagne la population, on accompagne les gens dans cette révolution de la mobilité. Ce quartier, en effet, il se transforme. Cette place va être une très belle place avec beaucoup de services et puis du commerce, des hôtels, etc. Mais tout le quartier va se développer. C'est le quartier étoile va se développer et sera petit à petit un lieu d'habitation, un lieu de travail, puisqu'il y aura beaucoup d'activités tertiaires, un lieu de service. C'est un nouveau quartier du Grand Genève. La métamorphose d'un quartier, mais aussi de l'économie de toute une ville. Il va y avoir une vie vraiment attractive autour de cette gare, hein, qui a déjà été mise en place par la ville d'Annemasse, par des centres commerciaux non loin d'ici. Après, dans le domaine économique pur, oui, bien sûr, également, cette évolution que nous avons et que nous devons apporter par rapport à cela, bien sûr que c'est cela qui va changer dans notre secteur. Ces transformations passent également par la valorisation de transports moins polluants, avec la création de voies vertes, de trams, bus et zones de covoiturage. Les modes doux, en fait, ça concerne effectivement la marche à pied. C'est le premier mode doux en fait utilisé par la population en fait. Après, donc, il y a le vélo, trottinette, etc. Et puis il y a aussi les modes doux en fait sur les voies vertes. C'est aussi les chevaux. Et puis ça peut être aussi effectivement l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite d'emprunter donc tous les modes doux possibles en fait. La voisine de Genève se renouvelle. La fin de l'ensemble des travaux est prévue pour décembre 2019. Ça
Simple d'utilisation, végétale et recyclable, voici COS, l'emballage 100% naturel imaginé par Clémence Morel. Après plusieurs années à Paris à travailler dans une grande société, elle prend soudain conscience que ce mode de vie ne lui correspond plus et décide de rentrer chez elle en Savoie. Ma bête noire dans ma consommation différente, c'était vraiment les emballages plastiques. Ça me rendait folle de jeter les emballages et d'emballer ma nourriture bio dans du plastique ou de l'alu. Et donc j'ai voulu trouver une solution. Et c'est lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande où j'ai trouvé l'équivalent qui se faisait à base de cire d'abeille. J'ai trouvé ça génial, j'ai voulu le faire en France. Et en discutant avec des apiculteurs, je me suis rendu compte que la cire d'abeille, c'était peut-être pas la solution idéale. Et donc j'ai inventé une recette à base de cire végétale. Hop ! On vient en fait le poser sur l'aliment et grâce à l'enduit, ça le conserve mieux que du plastique ou de l'aluminium parce que ça va laisser respirer de façon optimale l'aliment. L'air y va passer et donc on peut le conserver mieux et plus longtemps. Et voilà, c'est thermoformable. C'est donc ici, à Challes-les-Eaux, dans ce petit local qui servait autrefois d'atelier d'électricien à son grand-père, que Clément s'est improvisé apprenti chimiste. J'ai fait beaucoup de tests, je me suis renseignée sur les propriétés des cires, les points de fusion, et j'ai testé, j'ai fait des mélanges. Je voulais vraiment une cire qui soit naturelle, parce que certaines cires végétales sont hydrogénées, il y a une transformation chimique, et ça, c'était pas quelque chose que je souhaitais. Et après, je me suis fait accompagner par un labo pour faire des tests. Preuve que la greffe a relativement bien pris. À l'aube des fêtes de fin d'année, les commandes s'enchaînent, et les journées sont bien remplies. Heureusement, j'ai un sous-traitant qui m'aide pour la production depuis un mois, parce que ça s'est vraiment accéléré. Donc mes journées, elles sont entre le sous-traitant, l'envoi des commandes, qui me prend beaucoup de temps. Moi, je fais encore un petit peu de la prod. Prochaine étape pour la jeune chef d'entreprise, développer toute une gamme de produits allant dans ce sens de la protection de la nature. Moi, ça me tient vraiment à cœur en fait, d'avoir COS, les emballages, et COS Nature, qui a une gamme de produits qui répondent aux mêmes problématiques que les COS. Donc proposer des alternatives saines, naturelles, réutilisables et directement inspirées de la nature pour les objets du quotidien qui ne le seraient pas. Bénéficiant d'une subvention de la région Aura, COS Nature va bientôt intégrer l'accélérateur d'entreprise Le Village au Bourget du Lac pour continuer son développement.